Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Nous sommes à Newport et on prépare ensemble un tartare de bar au pamplemousse. Regardez ce qu'on va faire. On va prendre notre pamplemousse et puis on va couper au premier tiers, bien droit. On va prendre un bol et on va commencer légèrement à presser notre pamplemousse. Ça, c'est pour nous laisser la place pour venir décoller ensuite la chair. On prend simplement une petite cuillère à café. On passe la membrane qui se situe entre les segments et la peau. Vous voyez, ça se décolle assez facilement. Il n'y a plus qu'à pousser, vous voyez? Alors je vous parle aujourd'hui de Newport et de l'artiste Nina Beyer qui a rassemblé des sculptures qui n'étaient plus exposées au grand public pour réaliser une œuvre qui est aujourd'hui face à la mer. Donc pour le bar, ici, ça ce sont des filets qui ont été levés d'un poisson qui fait environ 600-800 grammes. On peut le déposer sur notre planche et puis tout simplement une petite incision et ensuite avec un couteau bien affûté, on vient glisser sous la peau. Là, je passe de chaque côté de l'arête. Voilà. Et j'enlève la partie où j'ai le sang et les arêtes. On réunit le tout et on peut commencer notre découpe en petits cubes, tout simplement. Alors, la sculpture de Nina Beyer montre que le prestige à marée montante peut aussi devenir drame. Et vice-versa, car les œuvres apparaissent à la marée descendante et sombrent dans l'oubli, de nouveau, à la marée montante. De la notoriété à l'anonymat, il ne se passe ici que quelques heures, une belle leçon d'humilité de la part de l'artiste. Ici, la pulpe avec le jus. Là, par contre, on a besoin d'un petit peu de sel, d'un tout petit peu de poivre. On va prendre quelques feuilles de basilic que l'on va simplement concasser, ajouter au tartare, et puis, regardez ça, des belles petites groseilles. Je mets maintenant mon petit filet d'huile d'olive. Et puis je vais rajouter encore, pour finir, un avocat émincé finement. Je prends et je rajoute dans mon tartare. Il ne me reste plus qu'à remplir la petite peau de pamplemousse que l'on a gardée tout à l'heure. Et vous allez voir que c'est très sympa de présenter dans les agrumes même. Alors vous avez pu constater qu'un agrume farci, c'était vraiment intéressant et quand même esthétique pour présenter à table. Donc moi j'attends toutes vos suggestions, que ce soit des entrées, des plats, même des desserts, en nous rejoignant bien sûr sur les réseaux sociaux de Martin Bonheur, Facebook et Instagram. En attendant, je vous souhaite bonne table.